Je m'appelle Brigitte Lavette et je suis joaillière et orfèvre et sculpteur. J'habite au Nouveau-Brunswick. À l'âge de 8 ans, j'ai eu la chance de rencontrer une femme qui a été marquante dans ma vie et dans la vie de beaucoup de jeunes artistes, de jeunes personnes au comté du Madawaska, et c'était Audrey Côté-Saint-Onge. À l'âge de 8 ans, elle m'a donné mon premier kit de peinture et des crayons et des choses qui m'ont vraiment marqué comme une possibilité de m'exprimer. Silver is such an interesting material. I love it. You have a love-hate relationship with it sometimes because in its character, being sterling, it can tarnish. And I often say that silver is like a vain lover. It likes to be touched. It has to be touched in order to stay shiny. If you ignore it a little bit too long, it becomes petulant. It becomes black. And people can't cope with that. It's a relationship. And me working with it, it does what I want. Pretty well. I am shiny because I love what I do and I am proud of the work that I've been doing teaching for so many years. The creative part of teaching, you get fed by the students, they inspire you, they challenge you. So I'm gauging their success incrementally. That's my job, is to make sure that everybody grows and learns something. J'ai des phases distinctes de créativité. Soit c'est par le design ou bien le dessin, et puis à un moment donné où c'est un objet inusité que je trouve en quelque part. Là, je me décide de faire de la fonte. Fait que je fais de la fonte. De l'autre partie de moi, qui est méthodique et méditative, c'est de monter un bol, de fabriquer et de marteler jusqu'au temps que j'ai ma forme. Et ensuite, je peux faire un genre de tableau ou d'aquarelle ou qui peut commencer à m'inspirer. Et ces choses-là viennent ensemble. Et j'aime créer des pièces qu'on pourrait mettre servir sur une table. Et qu'est-ce qui arrive? C'est en créant, en mettant un bol et peut-être une pâte de corneille ou quelque chose qui est un peu repulsive. C'est ça que j'aime, c'est la tension que le travail crée entre la beauté et le choix de mettre des affaires organiques comme ça, c'est un peu une petite tension que j'aime créer dans ma composition de tableau. Je suis très reconnaissante de recevoir le prix Bronfman pour mon travail, pour mon œuvre comme joaillière et orfèvre, mais aussi de souligner mon enseignement et ma carrière où j'ai œuvré à aider et inspirer tant d'autres.